Bibliothèque. Oui. Le melon. C'est à toi que je parle, le melon. Ah, tu viens. Parles. Je voudrais qu'on discute. Il n'y a que moi que tu appelles, le melon. Oui. Comment je peux te sauver cette fois? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as perdu l'usage de la parole? Non. Voilà, ce que je voudrais savoir, c'est si entre toi et Ambre, il se passe quelque chose. Entre moi et Ambre? Oui. Je me demande ce qui s'est passé entre vous deux. Enfin, ce qui m'intéresse, c'est pas ce que t'en penses toi. Non, non, c'est pas ça. Je comprends rien à ce que tu dis. Je veux pas que tu te serves de moi pour la mettre en colère. Tu crois que je me sers de toi pour rendre Ambre jalouse? D'où est-ce que tu sors ça? C'est juste que je suis au courant que vous vous êtes disputés tous les deux et je veux pas qu'il y ait de malentendu. Donc, si j'ai bien tout suivi, ta théorie, c'est que c'est à cause de toi que je me suis disputée avec Ambre. J'en sais rien, peut-être qu'Ambre n'a pas apprécié que tu viennes me voir chez elle pour me rendre ma veste. T'as cru que j'étais venue te voir? Non. Et puis arrête maintenant avec ce genre de remarques. J'ai l'impression qu'elle m'en veut, c'est tout. Et explique-moi, pourquoi elle devrait t'en vouloir? Ben, j'en sais rien. Je me dis qu'elle s'est peut-être sentie mal à l'aise à cause de... Tu sais quoi? Qu'est-ce qui te fait rire, là? Mathéo, t'es insupportable, tu prends jamais rien au sérieux. Attends. J'ai pas envie de rigoler. Comme ça, c'est mieux? J'ai l'air plus sérieux. Un peu mieux. Je crois que les choses sont claires maintenant, la livreuse. Je suis sûre que tu aurais bien aimé que je vienne te voir. Je me trompe? N'importe quoi. Tu dis n'importe quoi, comme toujours. Non, pardon. Pardon. Je comprends pourquoi tu étais introuvable.